Salut, salut. J'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir une nouvelle application super utile qui est vraiment pratique et vous allez voir un peu l'importance de cette application-là. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Donc, comme je le dis, aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle application qui va vous être utile dans la vie courante. Donc, c'est une application vraiment de confidentialité. Voilà. Donc, déjà, imaginez-vous, par exemple, vous avez reçu une capture d'écran sur WhatsApp. Voilà, vous avez reçu la capture d'écran sur WhatsApp et vous voulez cacher les informations, c'est-à-dire, vous voulez cacher les informations, vous ne voulez pas que le nom de la personne, par exemple, apparaisse, ou bien certaines informations ici apparaissent et tout. Au lieu de venir directement dans modifier photo, faire ce griffouillage là qui est assez vilain et tout. Je vais vous montrer une application qui va vous permettre de masquer toutes les informations que vous voulez assez facilement et plus fun. Donc déjà, lorsque vous avez l'image ici, vous allez venir appuyer sur partager. Vous voyez ici. Vous allez venir appuyer sur partager, vous appuyez sur partager. Et là, vous allez chercher l'application. Ne vous inquiétez pas, je vais toujours envoyer l'application dans la communauté pour vous permettre de l'avoir plus facilement. L'application en elle-même se nomme Confi Bleu. Vous voyez, c'est cette application qui est là, du nom de Confi Bleu. Voilà, donc vous allez sélectionner l'application dans la liste de vos applications qui apparaissent juste en bas. Donc j'ai appuyé. Et vous voyez que l'application s'ouvre, la photo s'ouvre directement dans l'application. Donc là, si vous voulez cacher des éléments sur une photo, c'est vraiment tout simple. Il suffit tout simplement de passer votre main sur l'élément. Par exemple, je vais passer ma main sur mon nom qui est juste en haut ici. Vous voyez que ça masque mon nom automatiquement. Voilà, ça masque le nom automatiquement. Je peux masquer le vous aussi. Et c'est assez cool en fait. Ça vous permet de masquer des informations sur des photos plus facilement. Au lieu de faire des griffouillages, il y a certains téléphones même qui n'ont même pas ces griffouillages là. Voilà, donc si vous voulez masquer des informations sur des photos, c'est vraiment tout simple. C'est l'application qu'il vous faut. Par exemple, si je veux masquer par exemple le montant, par exemple, il suffit de passer ma main sur le montant. Et vous voyez que ça masque automatiquement le montant. Personne ne saura un peu le montant. Si je veux masquer par exemple, je sais pas, le lien qui est en bas, message envoyé par exemple, voilà, il suffit de passer ma main dessus et vous voyez que ça masque automatiquement les informations qui sont ici. Et là, une fois que j'ai fini de masquer ces informations-là, je peux tout simplement envoyer l'information maintenant. Il suffit tout simplement de venir appuyer sur le bouton de partage qui est tout juste en haut ici. Et là, vous allez pouvoir envoyer ça à vos correspondants. Donc là, si je viens, je sélectionne par exemple WhatsApp. WhatsApp, j'envoie par exemple sur WhatsApp, par exemple, à ce numéro-là. Vous voyez que toutes les informations que j'ai masquées sont bien masquées. Et voilà comment la personne va recevoir la photo avec les informations que je ne veux pas que ça apparaisse super facilement et super utile. Donc c'est une application qui va vous être utile énormément. Comme je l'ai dit, le nom de l'application c'est Confi Blue. Confi Blue, vous pouvez le voir ici. C'est une application simple pour masquer les informations confidentielles avant de les partager. Donc elle est vraiment utile et je sais qu'elle va vous aider énormément. Donc, je vais envoyer l'application dans la communauté pour vous permettre de la voir facilement. Donc, si tu n'es pas encore dans la communauté, tu peux toujours intégrer la communauté. Le lien de la communauté se trouve toujours dans la description. Pour ceux qui n'arrivent pas à cliquer sur le lien, veuillez me le dire dans les commentaires. Comme ça, je vais envoyer le lien directement en commentaire. Portez-vous bien et restez branchés toujours sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour encore plus de contenu. Ciao, ciao.